Allez, salut à tous, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Là, je suis en Italie et je vais vous parler du matériel que j'utilise pour pêcher là-bas. Comme d'habitude, je suis avec Alex et Damien. On est parti pour 3 jours à Gioia. Donc on fait une petite session automnale chaque année. Alors là, on est sur une pêche très très difficile. Il faisait encore assez chaud là, même si la météo est en train de changer. On fait très peu de poissons, hein. Vraiment très peu de poissons. Et puis, comme à l'habitude, j'en avais déjà parlé dans la dernière vidéo, on est en train de sauver notre pêche sur les belugas avec les truites. Allez, j'ai eu beaucoup de questions ces derniers temps sur les réseaux au sujet du matériel que j'utilise pour pêcher là-bas. Alors je vais vous faire une petite vidéo pour répondre à toutes ces questions-là. Allez, le premier élément important, c'est l'ensemble canne moulinet. Donc là, on est sur un ensemble Okuma. Donc cette canne Okuma, c'est la Thunder Feeder. Donc c'est une canne qui a été développée spécifiquement pour les pêches d'esturgeon en Italie. Hein, donc on va retrouver des caractéristiques qui correspondent exactement à ce dont on a besoin pour pêcher ici. Donc cette canne, c'est une 4,20 m. Donc la longueur est importante parce qu'on pêche des plans d'eau assez profonds. Il y a 7-8 mètres d'eau assez rapidement avec des gros cailloux. Donc si on a une canne trop courte, le fil vient frotter contre les cailloux et on accroche beaucoup dans les cailloux et on risque de casser les gros poissons. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de cette longueur de 4,20 m. Ça, c'est le premier élément important. Deuxième caractéristique de cette canne, c'est sa puissance. C'est une 250-300 grammes. On a besoin de cette puissance pour deux choses. Pour lancer tout d'abord, parce qu'on a besoin de pas mal de puissance pour envoyer des gros appâts. On peut envoyer éventuellement des truites entières à assez longue distance. Hein. C'est une canne qui est faite pour lancer. Si on a besoin d'atteindre des grandes distances avec une truite, il faut quand même de la puissance. Donc ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, bien sûr, hein, on n'est pas là pour venir pêcher les sardines, donc on vient pêcher des gros poissons, donc on a besoin de cannes puissantes, hein, tout simplement. On continue sur les détails de cette canne, qu'est-ce qu'on va trouver d'autre? On va trouver un porte-moulinet très très sérieux, hein, parce que ça tire fort sur le moulinet, ça tire fort sur la ligne, donc il faut quelque chose qui bloque correctement le moulinet sur la canne. Donc voilà, un porte-moulinet très très sérieux. Après, au niveau de la poignée, on a quelque chose de très travaillé. Hein, pendant le combat, on a besoin de tenir la canne très fort, donc on a une grosse poignée en EVA au-dessus du porte-moulinet. Celle-là, elle est super importante pour le combat avec les poissons. Une longueur de talon qui est étudiée de façon à avoir une position confortable pendant le combat. Et le talon, il est terminé par un petit pommeau ici pour pouvoir coincer la canne dans l'aine et pas se faire mal. Voilà, on continue sur la canne. On a des anneaux tripates de très bonne qualité. Ça, c'est important parce qu'on utilise des tresses de très fort diamètre qui tirent fort. Donc là, on est obligé d'avoir quelque chose de très sérieux au niveau des anneaux. Et en plus, donc là, ces anneaux tripates, quand on utilise des tresses, ils sont sympas aussi parce qu'ils permettent de beaucoup moins emmêler et d'éviter les clés qui peuvent se produire autour des anneaux pendant le lancer. Donc sur cette canne-là, on retrouve 6 anneaux, dont 3 fixes et 3 mobiles qui vont venir coulisser sur la canne. Donc ça permet d'avoir une bonne répartition et d'avoir une belle courbure du blanc pendant le combat. Donc là, c'est une canne avec laquelle je pêche pour la première fois en Italie. Donc après 3 jours de pêche, je trouve que j'ai un confort de pêche qui est vraiment sympa avec cette canne. Ça plie. J'ai eu d'autres types de cannes qui étaient beaucoup plus rigides et qui pouvaient être un petit peu moins sympas à pêcher, qui font un peu plus mal au dos et au bras, on va dire. Celle-là, elle est un petit peu plus souple, surtout en pointe. Ça, c'est aussi important pour la détection de la touche. Faut pas avoir quelque chose qui soit trop raide en pointe. Donc ça, c'est important. Et en plus, donc ça permet d'avoir quelque chose de plus confortable. On a un blanc qui est assez travaillé pour ça. Sur toute la partie basse de la canne, sur les deux premiers éléments, on a quelque chose qui est renforcé avec des spirales, ce qui permet d'avoir un blanc relativement fin par rapport à la puissance de la canne, mais tout de même très résistant. Et donc sur le sion, on a quelque chose où on a recherché la souplesse, justement pour la détection de la touche et pour pouvoir envoyer facilement des appâts fragiles à longue distance. Voilà, donc la canne que j'utilise, je l'ai essayée là sur Gioia là pour ce premier séjour
Et franchement, je suis très content du matériel, c'est très confortable à utiliser, en plus c'est assez joli, je trouve. Voilà, donc la Thunder Feeder d'Okuma, c'est cette canne que je vous recommande là pour vos séjours en Italie. Allez, sur cette canne-là, donc j'ai monté des Tomcat, donc toujours en Okuma, en taille 14 000. Donc on voit qu'on a une poignée très sérieuse. On a surtout donc une grosse bobine avec une grosse contenance qui permet de mettre 230 mètres de trait 150 centièmes. Ça, c'est important. On est obligé de prendre une grosse bobine parce qu'on pêche avec des gros fils. Et autre élément très important du moulinet, le frein. On a 18 kilos de frein parce que là, ça tire très fort. Hein. On est sur des gros fils, des gros poissons. Donc, il faut du frein sur le moulinet. Voilà, dernier élément sur ce moulinet Tomcat, c'est qu'il n'est pas très lourd, hein, il fait moins de 700 grammes et ça permet d'avoir quelque chose qui équilibre bien la canne, d'avoir de la puissance, mais de rester sur un poids raisonnable de moulinet pour avoir un ensemble cohérent avec la Thunder Feeder. Allez, on avance sur le montage. Donc là, moi j'utilise un plomb coulissant en 70 grammes maximum. Hein, on essaye de mettre le plus léger possible, toujours pareil sur l'esturgeon pour pas qu'il puisse sentir le poids et puis avoir des meilleures touches. Ensuite, donc on va fixer le corps de ligne sur un gros émerillon baril pour la pêche du silure. Donc là, je vous conseille le palomar. Hein. À chaque fois que vous voulez mettre une tresse sur un œillet, le palomar, éventuellement vous rajoutez des demi-clés derrière et avec la petite boule en caoutchouc qui va permettre de protéger le nœud du plomb. Allez, sur la partie terminale, le bas de ligne et l'hameçon. Donc ça, c'est une partie bien sûr qui va être très importante. Là, on va faire varier un petit peu les choses en fonction des appâts qu'on utilise. On va utiliser beaucoup du hareng fumé, de la truite. Moi, je pêche beaucoup avec des truites entières. C'est encore sur cette session ce qui va nous sauver la mise. On pêche les belugas à la truite entière. Après, j'ai eu des résultats au frolic. La sardine, ça reste aussi un très bon appât. Le pelet, bien sûr. Hein. Ici, on pêche beaucoup au pelet, au wafter, les petits wafters de source que je vous ai montré dans d'autres vidéos pour la carpe. Ça fonctionne aussi sur les esturgeons ici. Voilà. Après, on va donc adapter ce bas de ligne en fonction de l'appât qu'on va utiliser. Je vais rester sur un bas de ligne en tresse quoi qu'il arrive, hein, parce qu'on a besoin de puissance. Donc là, moi j'utilise la Strike 4 en 50 kg. Ça résiste bien à l'abrasion, ça résiste bien au nœud. Ça fonctionne très bien en bas de ligne. Concernant l'hameçon, chez VMC, il y a un hameçon spécifique pour la pêche de l'esturgeon en Italie. C'est le 72-64, la Bestia. Donc ce qui est très important sur cet hameçon là, c'est qu'il a les caractéristiques pour pêcher ces gros poissons avec des grosses tresses, c'est-à-dire qu'il est fort de fer, il a une large ouverture, il a un œillet qui permet de faire des montages aux cheveux si on a besoin. Donc c'est vraiment un hameçon donc, qui a la forme, qui a tout ce qu'il faut pour pêcher en Italie, mais en plus il est disponible avec ou sans ardillon directement. Ça c'est super important parce que sur ces gros hameçons là, souvent l'ardillon il est très difficile à écraser ou il casse, enfin bref, l'ardillon c'est un vrai problème sur ces gros hameçons. Bien sûr en Italie c'est interdit de pêcher avec ardillon, donc là vous pouvez acheter directement votre hameçon sans ardillon. Voilà, ensuite pour les montages proprement dit, ben, je vais vous laisser un petit peu de suspense également, je ne vais pas vous donner tous mes petits montages, mais voilà, on a des montages aux cheveux pour le hareng fumé par exemple, on peut avoir des montages à l'élastique pour les froliques, pour la truite on la loge sur le bas de ligne en général, c'est ce qui fonctionne le mieux, il faut bien la ficeler avec du petit fil transparent comme on fait quand on pêche à la sardine en surf casting par exemple. Donc voilà, on adapte les montages ensuite en fonction de l'appât qu'on utilise, mais quoi qu'il en soit, on reste sur une tresse assez costaud en bas de ligne et un gros hameçon qui va résister à l'ouverture. Ça c'est la constante quel que soit le montage qu'on va utiliser derrière.
Allez, je vous donne encore deux, trois petits trucs parce que ici, ça mord beaucoup de nuit. Donc, organisez-vous bien pour pouvoir pêcher confortablement de nuit. Donc, je ne vous parle pas de tout le, voilà, de tout l'équipement qui est nécessaire, type frontal, etc. Par contre, il y a deux, trois petits trucs qui peuvent être intéressants. Donc, la première chose, c'est que parfois, les belugas, ils chassent en surface. Donc, là, il vous faut des flotteurs, et y compris des flotteurs lumineux pour pouvoir pêcher de nuit et puis pêcher avec une truite qui va se balader 1 ou 2 mètres sous la surface. Donc moi j'ai trouvé ce type de flotteur, hein, c'est des flotteurs lumineux, il y a des piles à l'intérieur, on l'utilise aussi bien le jour que la nuit, ça fonctionne très bien. Allez, dernier élément important sur la pêche de nuit, là c'est le pêcheur au feeder qui parle. Vous avez déjà vu sur d'autres vidéos que l'esturgeon ça fait des toutes petites touches. C'est rare que ça déroule, hein, donc si vous pêchez uniquement avec un détecteur et un écureuil, ben, vous pouvez louper un paquet de touches, surtout de nuit, parce que de nuit on voit plus très bien le sion de la canne. Donc ce que je vous conseille, c'est de rajouter des petits éléments qui sont utilisés en sort casting. Donc c'est un petit élément à pile qu'on va venir clipser sur le sion de la canne, et donc on a une petite pile à l'intérieur et on a cette partie rouge qui va s'illuminer et qui va permettre de continuer à avoir les touches sur le sion de la canne, même de nuit. Allez, fin de session à Gioa, on vient de charger le matériel complètement trempé, là on s'est pris la tempête sur la tête, on n'en peut plus là, on est trempé intérieur, extérieur. Allez, les derniers 24 heures ont été super dures, avec la pluie là, la pêche s'est complètement coupée. Mais bon, c'est pas grave, sur les 2 premiers jours, on fait une belle série de gros belugas, déjà on s'est bien éclaté. Allez, je voulais remercier les compagnons de route. Il y a Alex et Damien là, avec qui on a voyagé. Et puis on a retrouvé sur place Franck et Étienne. Voilà, on a partagé des bons moments, on a partagé des beaux poissons. C'était super cool. Allez, nous, on n'a plus que la route à faire, et puis vous avez l'habitude, hein. Ben, je vous dis à la prochaine. Tu mets un genou au sol et tu te le soulèves sur un genou. Oui. Voilà. C'est un bébé, hein? Putain, ouais. T'arrives pas à le faire en entier? Ah, mais le mettre tout entier sur le... Je ne fais pas plus, ça. Ta deuxième main, là. Là, faut que tu soulèves, là. C'est lourd? Putain! Mais lève, bon Dieu! Voilà! Là, c'est bien! Il est sûr, quoi. Ouais, il y a un machin, hein? Ouais! T'as vu au niveau de la queue, là? Ouais! C'est good? C'est bon!